Madagascar a une longue histoire sur la production rizicole. Le riz, c'est la vie à Madagascar, où plus de 1,3 million d'hectares sont cultivés chaque année dans tous les écosystèmes, allant de pluviaux aux bas-fonds irrigués. Le riz n'est pas seulement un aliment pour les Malagasses qui en consomment 120 kg par habitant par an, mais aussi un mode de vie à Madagascar. Le champ de riz vert luxuriant, qui couvre la majorité des zones arables sur des belles terrasses, signifie le patrimoine culturel. Plus de 74% de l'emploi se trouve dans l'agriculture, qui reste en grande partie pour la subsistance. Cependant, en raison de la grande vulnérabilité du secteur agricole aux stress environnementaux, notamment la sécheresse dans le sud, les cyclones et les inondations dans les hautes terres et le long des zones côtières, sont tous des facteurs qui renforcent la pauvreté dans le pays. Ces facteurs ont empêché le pays de bénéficier pleinement de la production de riz. Madagascar possède une riche collection de matériel génétique de riz en raison de sa longue histoire de production de riz. Cependant, la plupart des variétés cultivées par les agriculteurs ont jusqu'à 80 ans, avec une durée de vie moyenne de 30 ans. Par conséquent, la productivité de ces variétés est faible et la plupart des variétés succombent aux différents stress climatiques. Pour un secteur rizicole dynamique, l'amélioration des variétés de riz traditionnelles pour un rendement élevé et une résilience climatique est cruciale. Ceci peut être atteint en travaillant avec des partenaires dédiés à la recherche et au développement du riz comme Africares. Le Centre du riz pour l'Afrique, Africares, est un centre d'excellence panafricain de recherche rizicole, de développement et de renforcement des capacités. Il contribue à réduire la pauvreté, à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et des autres acteurs de la chaîne de valeur du riz en Afrique en augmentant la productivité et la rentabilité des systèmes agroalimentaires à base de riz tout en assurant la durabilité des ressources naturelles. Africares est l'un des 15 centres internationaux de recherche agricole du CGIAR, un partenariat mondial de recherche pour un avenir sans fin. C'est aussi une association intergouvernementale de pays membres africains. Il a été créé sous l'appellation Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, ADRAO, par 11 pays africains et a commencé a fonctionné en 1971. Reconnaissant l'importance stratégique du riz pour l'Afrique et l'expansion géographique effective du centre, son conseil des ministres a pris la décision historique en 2009 de changer son nom en Centre du riz pour l'Afrique, Africares. Aujourd'hui, Africares compte 28 pays africains. Madagascar est l'un des pays membres. Le siège social d'Africares est basé en Côte d'Ivoire. Et le personnel de recherche est également basé au Sénégal, au Nigeria et à Madagascar. Africares a établi un bureau à Madagascar depuis 2015 et mène différentes activités de recherche et de développement dans le pays. Madagascar bénéficie de la présence d'Africares pour atteindre la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté de sa population. Dans le même temps, avec ses vastes ressources naturelles, le pays est un partenaire stratégique à renforcer en tant que grenier alimentaire de l'océan Indien. Africares opère dans le pays
en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et le FOFIFA, ainsi que d'autres organisations de développement. En plus des variétés Nerica et Arica, qui sont déjà introduites dans différentes écologies du pays, les chercheurs d'Africares travaillent avec diligence pour fournir de nouvelles variétés aux agriculteurs de Vakhnakaraj, où le froid est la principale contrainte dans la production de riz, provoquant la stérilité de l'épier. Par conséquent, de nouvelles variétés tolérantes au froid, FOFIFA 183 et 184, avec un rendement allant jusqu'à 5 à 6 tonnes par hectare, ont été diffusées par le biais du partenaire local de recherche-développement, le FOFIFA. Par ailleurs, 4 variétés irriguées, FOFIFA 187, 188, 189 et 190, avec des traits de rendement élevé et de tolérance au stress, ont été diffusés en 2019 pour le périmètre irrigué de Bamangouki. Les variétés sont aujourd'hui adoptées par près de 100% des agriculteurs. Récemment, à Vakhnakaraj, en 2021, 3 variétés de riz rouge avec une qualité nutritionnelle améliorée, ainsi que des caractéristiques de tolérance au froid, de maturation précoce et de rendement élevé sont proposées pour la diffusion. Ces variétés sont destinées à répondre aux besoins nutritionnels des femmes et des enfants qui allaitent. Il existe également 3 variétés de riz tolérantes aux inondations proposées pour la diffusion dans les régions, afin d'endiguer les inondations graves et fréquentes qui se produisent dans la région en raison du cyclone. Africares travaille en étroite collaboration avec FOFIFA, les agriculteurs locaux et d'autres partenaires pour tester sur le terrain les nouvelles variétés dans différents endroits comme Mourdave, Bamangouk et Ambatjazak. La sélection des meilleures variétés est menée à travers des approches de sélection variétale participative des agriculteurs, où les agriculteurs font partie du processus de sélection pour identifier leurs meilleures variétés. Une fois qu'une variété est homologuée, elle est présentée à un public plus large par le biais de parcelles de démonstration. Africares soutient également un groupe de femmes dans leurs efforts pour augmenter leur productivité et obtenir l'égalité des chances de progresser. Le principal goulot d'étranglement dans la production de riz dans le pays est la disponibilité de semences de qualité. C'est pourquoi Africares forme des jeunes et des femmes producteurs de semences, ainsi que des associations semencières sur la production de semences certifiées. Les producteurs de semences fournissent désormais activement des semences de base et certifiées à Bamangouk, Mourdave et Mbouibar. En fait, certains de ces producteurs de semences ont rejoint le concours régional de production de riz et ont obtenu les 3 premières positions. Afin de fournir efficacement de nouvelles technologies rizicoles, Africares travaille également avec des partenaires privés tels que Rialfe Business et Sidlan pour promouvoir la technologie des semences hybrides ainsi que les variétés nouvellement homologuées. Les sociétés semencières privées ont rejoint un consortium de producteurs de semences privées dirigé par Africares Cosambri, pour promouvoir la disponibilité des semences de qualité et en quantité suffisante des variétés améliorées pour les riziculteurs de Madagascar. Le bureau de l'Africares Madagascar est également impliqué
dans le renforcement des capacités des jeunes chercheurs et futurs scientifiques spécialisés sur la riziculture à travers des cours à long et à court terme en collaboration avec différentes universités publiques et privées du pays. Actuellement, Afrigares, sous l'égide de ONCG, modernise son programme d'amélioration variétale. Le processus de sélection commence par un profil de produit clairement défini, élaboré en consultation avec les parties prenantes du secteur du riz, par la mise en place d'un programme de sélection centralisé qui a permis de réduire le cycle de développement des produits de 8 à 5 ans et par le recours à des technologies avancées telles que les drones et les dispositifs numériques pour un dépistage précis et rapide des lignées de sélection sur le terrain. Cette modernisation permet un développement et une livraison efficace des variétés pour répondre aux problèmes de changement climatique le plus rapidement possible à Madagascar et sur le continent.